Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur campagne bretonne. Aujourd'hui, on va faire une activité qu'on a déjà fait, donc je pense que vous l'avez vu sur la miniature. On va encore presser comme tout au début de la vidéo, tout au début sur la map qu'on avait fait. Oui, on va presser parce que à la base, je pensais pouvoir avoir assez de fumier pour au moins épandre ou du lisier et pendre un. Dans des champs, mais malheureusement non. Donc du coup peut-être qu'on achètera le matériel ensemble, on verra ce qui nous reste du temps. Là on va presser, voilà, donc on est toujours avec la même presse, hein. Voilà, hein, là Laurent, ça c'est du DLC, oui, je me souviens c'est du DLC. Donc voilà, et avec le petit Renault, RZ, si monsieur veut bien que je puisse monter, oula, ouf. Oh, de toute façon on est en phase donc je pense que je peux couper mes gyros. Voilà, donc j'ai encore laissé mon matériel, hein. C'est pas grave. Je vais remettre oh, j'ai accéléré un peu le temps pour qu'elle produise un peu plus de fumier. C'est pas grave s'il fait mauvais. Voici du foin. Donc on va faire ce champ là qu'on a moissonné l'autre fois. J'ai terminé en off. Hop. Alors, attends, je lague un petit peu, hein, je lagouille un petit peu, mais je pense que c'est la mopu. C'est la mopu qui me fait ça, ouais. Je la verrai cette mopu. Je verrai ce que je prendrai, j'ai peut-être une petite littorale des essieux, faut que je l'active ce mode là. J'ai été chargé il y a pas longtemps, donc au moment où je fais la vidéo, on est au début d'avril. Hein, donc je vais tourner vidéo. Donc bah, il faut bien que je renouvelle un petit peu les modes, que j'enlève. Voilà, merci. Voilà. Hop. J'espère qu'elles vont pas rouler. Je vois rien. Je vais la mettre au plat. Merde. Ah, je crois que j'ai l'inverseur, mais non. Oh là là. Bon. Alors là, c'est une botte de foin, vous inquiétez pas. Approcher, c'est un cul. Ouais, j'ai des petits coups de frigo là, ma souris est pas fluide. Donc voilà, voilà, toujours en vidéo tranquillou. Donc là, on va presser. J'espère que j'aurai assez de fumier pour que les vaches me produisent à la fois du lait, je pense, mais après une activité du lait pour. Sur cette map là. Et après on verra comment ce qu'on fera. Allez. Alors je vais vite, je sais. Je ne sais pas si vous allez vite, pour ceux qui sont agriculteurs, ou qui sont fils d'agriculteurs, qui vont vite dans les chemins, dans les champs, pour presser ou autre. Dans mon avis, non. Parce que à mon avis, ça doit bourrer dans la machine. Voilà, donc vous voyez, j'accélère un petit peu le temps. Accélérer. J'ai mis le temps x5. Et là, on va reculer. Elle roule pas. Non, elle roule pas. Moi, je l'ai mis sur plat, donc c'est bon. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de bottes de paille pour les animaux, mais comme ils sont déjà paillés sur la précédente vidéo qu'on a fait, donc c'est bon.
Ouais, tu... Voilà. Voilà. J'essaye de pas faire de manque pour essayer d'avoir maximum, au moins quelques bottes. Je pense pas, je pense une, pas une dizaine. Peut-être une dizaine, on verra. Voilà. Allez, c'est parti! Voilà, je fais toujours des vidéos en avance, comme ça je serai tranquille au niveau croquelage. Ah aussi, je vais vous parler de la vidéo que je devais sortir sur le site. Bah sur le site. C'est une vidéo que j'ai fait sur un site, d'accord? Que je vous dis que s'il y a certaines choses que je suis déçu, je le ferai pas, sinon je le ferai. Du coup, je l'ai fait. Donc la vidéo devait durer 1 heure. Devait durer 1 heure. 1 heure, une. Un peu plus d'une heure, une. Malheureusement, j'ai voulu faire le montage. Et mon disque dur était saturé. J'avais beau vider certains trucs, toujours vidéo saturée. Alors je sais pas si on aura si on aura vous aurez deux parties de ce site-là, donc la vidéo de ce site-là, d'accord? Vous verrez bien. Si je les sors, je les sors en même temps, donc une semaine après l'autre. Voilà. Sinon, je verrai. Si je réussis à... Si je réussis à sortir en entière, c'est bon. Alors peut-être que vous aurez, au lieu, parce que là, ça doit être le troisième, au lieu d'avoir... Donc comme c'est la troisième vidéo, ben, il reste... Normalement, il reste trois vidéos. Hein. J'ai compté, sur 2 mois, il reste deux vidéos. Enfin, j'en ai déjà fait avant, hein, mais je veux dire, il reste... 3 vidéos, mais si le truc ne sort pas, je vous dis, si le truc sort en deux parties, vous aurez que deux vidéos, donc l'avant-dernière et la dernière. Donc celle-ci, parce que oui, l'avant-dernière, ce sera celle après celle-ci, d'accord? Ou l'avant-dernière, d'accord, et la dernière, ça sera bah, celle après l'avant-dernière, hein, et logiquement. Ça, on verra bien. Voilà. Sinon, bah, il restera 3 épisodes pour l'instant. Pas 3 vidéos sur cette map-là. Puis on verra bien. On verra bien. Je verrai. Soit il reste 2 vidéos après celle-ci. Sur la campagne bretonne, soit 3 vidéos. Je peux rien vous dire parce que c'est selon si j'ai assez d'espace ou pas. Là, ce que je vais faire, je vais sortir celle que j'ai fait l'encodage. Dès qu'elle aura fini du cloud et tout ça, et qu'elle sera mise en ligne, je pourrais la supprimer de mon dossier, vider carrément ma poubelle, la corbeille hein, sur mon ordinateur. Hein, vous avez tous une poubelle et vous aurez donc peut-être la vidéo en entier. Voilà. Ça dépend de ProDriver. C'est le site ProDriver, hein, je voulais vous expliquer, alors j'ai pas tout expliqué. Hein. Non, voilà. Mais vous verrez bien. Alors, voilà un petit peu ce qui va se passer la suite. Hein. Ouais, désolé, j'ai un peu de ralentissement. Voilà. Il y a les deux andins. Je vais voir quelle heure est-il. Je vais laisser l'après, je prendrai le tracteur. Et on verra bien. Oh, je n'aurais pas fait 10. Ce que je me disais, c'est ce que vu la base barre, hein, là-bas. Au revoir.
Bon, voilà. Donc voilà, on a fini. Donc là, je vais ranger, je vais voir quelle heure il est sur mon portable, parce que j'ai le chrono sur mon portable. Hein. Pour pas faire des vidéos trop longues non plus. On va ranger la prise d'abord. Le matériel, faut que je le range. Et j'oublie. Ça, je le ferai en off. De ranger le matériel, je pense. À part si on en a besoin sur d'autres maps, on verra. Sur d'autres terrains. Alors. On va aller. Alors, il nous reste. Je regarde sur mon portail 5 minutes. Il reste 10 minutes. On est à 11 minutes. Bah, 10 minutes. On est à 11 minutes. Hein. Donc, je pense que le temps d'acheter l'épandeur à fumier, et ça sera bon. Bah, déjà, il faut que j'arrive à aller aux concessions, qui est pas loin. Hop, on va se mettre en vue intérieure. Ça ira bien. Oula, oula. Donc voilà, c'est une map que j'aime bien. Bon, le fait qu'on peut pas acheter que les terrains, on doit acheter toute la map. Donc là, c'est bon. Ah oui, il me reste encore... Ah ouais. On va arrêter là. Ouais, il me restait encore des bottes. Ouais, j'avais prévu le coup, mais j'avais pas assez de place. Bon, on verra quand je dois en commander ou pas. Donc, on va aller sur le truc. Donc, on va commander notre épandeur à fumier. Il est là. L'icône. Vous verrez ce qu'on va avoir. On a le bouche. Est-ce que je prends la bouche ou je prends la d'Angreville? Non, la bouche. Voilà, la bouche. Alors ça va. On va peut-être avoir des problèmes de son, je m'en excuse. Voilà. Tour café, ouais, 15 000. Je crois que c'est celle de Simeter Games. Elle fait 17 000. Ouais, c'est juste... ouais, ok. Trevor Michelin. Trevor Michelin. On va mettre en Michelin, voilà. Épandage. Ça, c'est épandage compost. Je crois que c'est Simeter Games, je m'en rappelle plus, hein. J'ai pas vu dans de bêtises. Standard ou composteur, on va acheter comme ça. On va acheter comme ça. Voilà. Bon, si on a le temps, bim, on va faire les pandeurs à lisier. Je sais pas sur quoi je veux partir. Une deux essieux, une essieu. Peut-être une essieu pour y aller. Peut-être une essieu. Ça, c'est un mode. J'ai tellement de trucs. Je sais pas si je la prends une. Je serais bien parti sur une 2. Vous savez quoi, je pars. C'est parce que ceci fait 8000. Ceci a fait 8000 aussi. Donc on va prendre celle-ci, je pense. Et je vais pas m'emmerder pour la couleur. Hein. Non, on va prendre une farm tech, peut-être. Ouais, une farm tech. Ah oui, donc on va ça c'est le cardan, on va faire ça. On va le laisser comme ça. Ça. Ah, c'est les pneus larges. Bon, on va le laisser en pneus larges. Hein. C'est tout. Donc on va en acheter tout. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y aura comme matériel. Voilà, ma petite la bouche. Je vais la représenter un peu mieux. Je crois que c'est Simeter Games. Hein. Dites-moi pas de conneries. Ben, dites-moi si j'ai dit une connerie, hein, mais il me semble parce que Simeter Games, il y a aussi une épandeur à la bouche. Et je m'en rappelle plus si c'est une deux essieux ou une essieu. Bon, voilà. Et la petite farm tech à la place. Hein, je vais la laisser comme ça. J'ai joli avec son petit machin. Donc voilà.
Donc il est quelle heure? Moi j'aurai le temps de ramener mon matériel ou pas? Bon, on va arrêter là, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, parce que là ça fait 15 minutes, hein. On va se laisser là. Moi je vais ranger matériel, bah, ranger ce matériel là en off. Il me restera la moissonneuse, ça je le rangerai plus tard, mais ça je vais le ramener avant. Nous on va se retrouver sur une autre vidéo, d'accord? Donc vous saurez à peu près ce qu'on aura pour la prochaine fois qu'on sera sur cette map. Voilà. Vous aurez une petite idée si j'ai assez de fumier. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, disliker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à suivre tous les liens dans la description. Et nous on se verra très vite pour une nouvelle vidéo. Et aussi, avant de se quitter, ces modes-là, je ne vais pas les mettre sur le site. Parce que ça va faire trop de boulot. Et il y aura des gros travaux sur le site. Ça, je vous en parlerai. Peut-être la dernière vidéo avant avoir une grosse pause. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, bye bye.